Bonsoir mes amis, bonsoir, ravi de vous retrouver comme tous les soirs, vraiment ravi. Bonsoir les Gilets jaunes, bonsoir les Gaulois. Allez, bonsoir Ginette, bonsoir Joachim, bonsoir Magali, bonsoir Philippe, bonsoir Nabiha, bonsoir Mohamed, bonsoir Romu et bonsoir tous les autres et toutes les autres que je n'aurais pas salué, qui vont arriver plus tard, ou regarder en différé. Alors avant toute chose, mais, toute chose, mes chers amis, je tiens euh, à éclaircir quelque chose que j'ai dit hier, que je n'avais pas prévu de dire. J'avais cité ça en anecdote, c'était par rapport au jeu euh, Les douze coups de midi. Euh, et en citant cette anecdote, je crois que j'ai inversé euh, la question. Euh, J'aurais dû noter la question parce que lorsque la question a été posée, j'avais répondu juste. En revanche, je... lorsque j'ai voulu sortir l'anecdote, je ne me souvenais plus exactement de la question, donc j'ai dû inverser. Euh, ce qui ne change rien à l'affaire parce qu'il s'est trompé, j'avais donné euh, la bonne réponse. Sauf que il faut quand même éclaircir la chose parce que il y a euh, toujours erreur sur deux périodes qui se confondent. Qui sont euh, les années glorieuses et les années folles ce qui n'est pas la même chose donc j'ai retrouvé la question pour éclaircir la chose donc voilà la question donc quel conflit armé a été suivi des années folles les années folles ne sont pas les, euh, les 30 glorieuses qui ont suivi effectivement la deuxième guerre mondiale jusqu'au choc pétrolier euh, donc euh, là il... dire la deuxième guerre mondiale est une mauvaise réponse c'est ce que le candidat avait répondu la bonne réponse étant effectivement la première guerre mondiale euh, parce que je vous ai préparé donc l'article Les deux périodes et, et euh, les jeux télé aiment bien jouer avec ces deux, ces deux périodes. Cette question revient de manière euh, réitérée. Euh, donc voilà. On va regarder ensemble. J'ai un chat dans la gorge. Hop. Voilà. Alors, pourquoi les années 1920 sont-elles appelées les années folles euh, donc c'est une répétition, hein, parce que c'est toujours, euh, une fois que l'Europe est cassée, vous avez un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui arrive avec ses capitaux, euh, qui construit tout, et donc ça donne du travail à tout le monde, et on rentre donc dans une frénésie euh, euh, folle, hein, économique folle. Sauf que là, je vais vous le dire après, donc là je vais vous lire. À la fin de la Première Guerre mondiale, un mouvement d'euphorie et de libération envahit la France, le peuple français redécouvre le plaisir de s'amuser et toute la société retrouve un intérêt pour la culture. Sauf que là, de quelle culture parle-t-on De la culture Coca-Cola. Euh, les années 1920 deviennent les années folles, synonymes d'un bouillonnement et d'une effervescence. Euh, donc là, on va pas euh, regarder, c'est ça les années folles, hein. c'est la culture, c'est ça. C'est bien parce qu'ils ont bien choisi leurs photos. Euh, donc, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que cette folie des années folles cache, cache euh, la crise 1929 qui a servi à ce que les États-Unis par un tour de passe-passe. Vous le verrez tout au cours de l'histoire, euh, il y a toujours des cours de passe-passe pour euh, détruire, construire, détruire, construire, détruire, construire à l'infini. Et donc, euh, la crise 29, euh, les États-Unis ont euh, rapatrié euh, soudainement euh, tous leurs capitaux, ce qui, euh, effectivement, a été euh, douloureux pour l'europe et pour la france, et ce qui n'a pas euh, facilité euh, la suite. Vous connaissez, vous connaissez la suite. un certain hitler a été élu, etc., etc. Euh, voilà, ceci étant dit, restons sur les douze coups euh, de midi, parce qu'il s'est passé un événement, je ne sais pas si vous avez suivi, moi, comme par hasard, je regarde hier cette émission. Ils sont... Il y a euh, tout un scandale qui sort. Euh, donc c'est ce certain euh, Christian, je ne sais pas ce que j'ai ce soir, Christian Quesada, euh, qui a été présenté comme le roi des jeux télé. Je vais vous mettre, euh, je vais vous mettre un extrait euh, d'une émission qui, bien entendu, euh, le considère comme le génie des génies. Euh, Petite précision, le candidat que je vous ai montré, donc, euh, qui est en train actuellement de jouer, qui apparemment va, va être éliminé euh, dans les jours qui viennent. D'ailleurs, s'il y en a, je ne sais pas si c'est autorisé pour télé, les téléspectateurs pour jouer au jeu mystère à la fin, mais il paraît que l'image cache Florence Foresti. Tous les indices convergent vers Florence Foresti. Euh, dans le film Hollywood avec euh, Jamel, c'est pour ça qu'on voit le palmier derrière, mais il n'y a que des indices sur Florence Foresti. Mais je pense qu'il n'y a que le candidat qui peut jouer dedans. Bref, euh, ce candidat, donc euh, Benoît, qui, euh, hier, il me semble, avant-hier, non, c'est samedi, il s'est planté sur cette question de l'histoire. Effectivement, il y a un piège, mais quand, quand vous savez qu'il est professeur d'histoire, c'est impardonnable. Et vous voyez le niveau, le niveau de l'éducation nationale, vous voyez le, le niveau, euh, de façon générale, de euh, l'école républicaine française. Il est professeur d'histoire. Bon. Alors, maintenant, occupons-nous de euh, Christian, alors que je regarde encore une fois son nom, ça fait beaucoup de choses à retenir, Christian Quesada. Alors, présentation de Christian Quesada. Le lendemain matin, suite à la censure de cette vidéo par YouTube à la demande de France TV, et eh bien je l'accélère et euh, je remets la vidéo sur YouTube voir si ça passe. Voilà, comme je vous l'avais dit, euh, il faut en être vraiment pour passer à la télé, et euh, Christian Quesada euh, n'en fait pas exception. Vous remarquez que lorsqu'il a été éliminé, eh bien, euh, il a été éliminé par une femme. Le système adore instrumentaliser les femmes. Arrêtez là, on va pas avoir toute pissions, Vous avez vu qui c'est et comment il est présenté. Alors pour moi, de toute évidence, euh, ce jeu-là, comme presque tous les jeux, particulièrement ce jeu-là, est bien entendu euh, truqué. Le trucage habituel, encore une fois, de ce trop de hasard en France. Donc vous avez compris euh, l'éloge, la franc-maçonnerie. Et de toute façon, vous le savez très bien. Euh, vous n'allez pas à la télé, vous ne devez, euh, il vous donnent pas la chance d'avoir une visibilité ou pour après aller faire d'autres plateaux pour parler d'une autre actualité ou un, un livre ou quoi que ce soit. Si, si euh, vous les inquiétez et si vous, 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 ils sont pas sûrs de vous et plus simplement, si vous ont pas déjà testé, que vous êtes pas, vous faites pas partie euh, des loges. Donc là, euh, arrêtez de croire dans les faux prophètes et dans les dans les gens euh, extraordinaires. Euh, la même chose pour ce professeur. J'ai l'impression d'être euh, devant un, un, un très mauvais professeur d'histoire qui joue actuellement euh, l'éducation nationale et majoritairement franc-maçonnerie. Euh, D'ailleurs, c'est très perméable avec la politique. Je crois qu'on est arrivé à une certaine année à plus de la moitié de l'Assemblée nationale euh, et des, des fonctionnaires de l'Éducation nationale détachés pour aller euh, se présenter comme candidat, c'est-à-dire voilà, vous, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas garder votre salaire puis avoir un détachement pour aller euh, faire une campagne électorale, vous faire élire. Bosser euh, comme député et le jour où c'est fini votre mandat de député, revenir et trouver euh, votre siège qui n'a pas bougé, qui vous attend. Donc, ça, c'est un énorme problème. Euh, donc, euh, alors, revenons sur ce Christian Quesada, qui est, euh, comme je vous l'ai dit, et je vais éviter quand même les procès, qui est, comme je vous ai dit,. Euh, de aidé beaucoup par le hasard, donc euh, il fait partie euh, des secrets du hasard. Et euh, comme je vous ai expliqué que vous le savez, que ces gens-là ne sont pas du tout fréquentables, euh, surtout ceux qui, euh, qui en deviennent célèbres, c'est parce que ceci voudra dire qu'ils sont hauts, que ce soit des politiques, euh, des journalistes, euh, enfin, tous, les, tous les domaines. Alors. Ok, je croyais qu'il y avait une publicité qui s'est déclenchée. Alors, je pense que je, je l'ai déjà lu. Hein. Il est tombé pour euh, détention d'images pédopornographiques. Euh, on va regarder euh, un article parce que ça va un petit peu au-delà de ça. Donc... Euh, Christian Quesada, euh, vous voyez, le projet de biopic adapté de son autobiographie n'existe pas, donc il a menti sur plusieurs sujets, mais bon, ça c'est leur marque de fabrique. Donc, euh, contrairement à ce qui a été annoncé par certains médias et l'intéressé lui-même, l'autobiographie de Christian Quesada, le maître de midi, n'était pas en cours d'adaptation cinématographique. Le livre a par ailleurs été retiré des ventes après la mise en examen et l'incarcération de l'ancien champion des 12 coups de midi pour corruption de, mineur, corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Voilà, on va s'arrêter là, on ne va pas rentrer. C'était pas mon... Euh, mon sujet. On va passer. On va revenir à nos moutons. Voilà, ça c'est réglé. Alors nos moutons, nos moutons. Donc c'est euh, des économistes et ce qui risque de nous arriver et qu'il ne faut pas qu'il nous arrive. Donc j'ai préparé. Plusieurs Notes parce que ça va être un petit peu euh, long et compliqué, même je pense que je pourrais pas rentrer dans, les, dans les, tous les détails. Il faut traverser l'histoire, c'est extrêmement compliqué à chaque fois. Euh, donc, euh, je vous remets encore une fois euh, cette couverture qui est très importante parce qu'il y a une carte vous l'avez compris qui est joué c'est la carte des, des gilets jaunes ici présente voilà c'est cette carte là et on va essayer euh, de continuer à lire parce que ça prend du temps hein. c'est de toute façon euh, tout ce qui est ésotérisme les cartes, c est, c est, ça fait partie, euh, je vais dire, j'ai envie de dire, de toutes les civilisations euh, depuis que, depuis la nuit des temps, euh, le, tout ce qui est art et sciences divinatoires, se sont toujours appuyés sur des cartes, sur aussi l'astrologie. C'est pour ça que vous voyez des étoiles derrière. Donc, euh, euh, effectivement, euh, ces prophéties, en, en quelque sorte. Euh, il n'y a pas besoin de croire ou ne pas croire, euh, euh, on va dire, euh, à, à la magie ou autre chose. Il faut juste se dire que ces gens, les gens qui ont écrit, qui ont dessiné, qui ont codé ces prophéties, de la même manière euh, que ce soit pour n'importe quoi d'autre, euh, des tableaux de que ce soit de Léonard de, Vin de Vinci ou, ou d'autres ou même les les livres saints les prophéties de, de tous les autres euh, nostradamus euh, et compagnie euh, il y a des gens derrière qui euh, qui ont le pouvoir pour les réaliser pour justement un d'un côté vous perdre pour que vous pensiez toute votre vie que la, la, les médiums euh, les médiums ont vraiment un contact euh, avec l'au-delà, avec les balades astrales, etc., euh, comme les magnétiseurs, comme toutes ces professions de, de charlatans, et euh, encore une fois, pour vous tenir, hein, pour que vous pensiez toujours qu'il euh, qu y a des messies, qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs extraordinaires, etc. Donc, il s'agit là, euh, dans le travail que nous faisons, il s'agit euh, de vouloir décoder. Avant l'accomplissement de leur plan, qu'est-ce qu'ils ont prévu Je rappelle que plein de couvertures se sont réalisées, malheureusement, euh, entre autres celle qui annonçait l'attentat du 13 novembre 2015, donc sur Paris, l'attentat dit euh, Bataclan, euh, et que si euh, c'était annoncé euh, deux ans avant, et que si on avait décodé ce qui est presque impossible à l'avance, si on avait décodé avant, on aurait pu éviter le pire. C'est pour ça que là, ce n'est pas un jeu. Il s'agit de décoder leur plan machiavélique. Voilà. Alors, est-ce que, euh, si vous vous posiez encore la question, est-ce que c'est des gens bienveillants ou, euh, ou mal intentionnés, je vous rappelle que s'ils étaient bienveillants, ils nous auraient évité bien des carnages. Donc, ça m'étonnerait qu'il soit bienveillant. Alors, alors tout d'abord, j'aimerais euh, ce que je vous avais dit hier. Je vous avais dit hier que euh, le système, appelez l'appeler le comme vous voulez, l'intelligence artificielle, la matrice. Euh, fait tout pour vous éloigner en permanence de la vérité, pour que vous restiez, comme depuis la nuit des temps, dominés euh, dans une euh, condition d'esclave, vous, euh, vos, vos aïeuls et euh, votre li lignée suivante. Il n'y a pas de raison de donner la chance à des lignées de famille comme ça d'accéder un stade de richesse et de pouvoir comme euh, certaines familles euh, euh, se les euh, partagent. Euh, donc, euh, beaucoup de choses vraies vont être présentées comme ridicules, rigolotes et fausses. Beaucoup de choses fausses vont être présentées comme des vérités scientifiques et absolues. La difficulté est là et vous avez été conditionné, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient vous parler de choses compliquées et vous dire c'est la vérité, vous vous exclamez en rire parce que ça vous rappelle tout ce que vous voyez un peu partout, les conspirationnistes, les, les gens fous qui planent, etc. Et c'est vrai qu'au final le système confirme, il va pas enfermer dans les hôpitaux psychiatriques les plus stupides d'entre nous. Bien au contraire, il va, le système va enfermer les personnes les plus rebelles, les personnes les plus indépendantes intellectuellement, les personnes qui ont un raisonnement, euh, on va dire, le plus dangereux pour lui parce qu'ils arrivent à, à, à décoder et à, euh, à s'affranchir des manipulations et de l'endoctrinement euh, du système. Voilà, il y a une logique implacable derrière. Effectivement, vous, à chaque fois le système, vous montre euh, ceux qu'il a crucifié. C'est pour ça que le, la, la, la croix est très importante, hein. elle est très importante dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas que Jésus qui a été crucifié, je vous l'avais déjà démontré, les compagnons à Spartacus bien avant lui ont été crucifiés. Ça, c'est pour toujours montrer l'exemple et pour toujours faire peur aux autres esclaves de ne pas recommencer. Il ne faut pas vous rebe rebeller, vous allez mal finir. Vous avez vu les autres, et là c'est la même chose pour les hôpitaux psychiatriques et pour d'autres, plein d'autres domaines. Euh, alors, pour, pour continuer, donc, sachez, je vous ai dit hier que les civilisations, euh, malgré que le système essaie de vous faire croire qu'on n'est pas cert certain de leur existence, et même s'ils ont, euh, ont existé. Elles ont vécu euh, comme euh, des barbares. Je rappelle que le terme barbare, donc, euh, à la base, voulait désigner des étrangers. Ça veut dire que euh, les habitants d'un pays euh, parlaient euh, d'un de, de, pays voisin comme étant des barbares, et vice-versa, les autres aussi. Ça voulait dire en quelque sorte étrangers. Donc là, vous voyez le terme, euh, comment il est arrivé au jour d'aujourd'hui, la, 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 la dénomination tellement péjorative de barbare. Euh, et donc, euh, et on vous présente euh, ces civilisations encore une fois comme des civilisations d'imbéciles qui croyaient euh, dans absolument n'importe quoi, qui pensaient qu'elles allaient avoir la vie éternelle. Enfin voilà, que des histoires à dormir debout. Euh, et même, on va vous faire douter carrément. Est-ce qu'elles ont existé Est-ce qu'elles n'ont pas vraiment existé Etc. Ensuite, on va vous donner des explications absolument, on va dire, euh, euh, incroyables sur leur disparition. On ne sait pas vraiment, parce qu'à chaque fois, on nous dit, euh, il y a un prophète qui est arrivé, il s'est vengé, il a libéré les esclaves, et hop, euh, il les a tous décimés. Et ensuite, on a créé une civilisation bien plus humaine, bien plus juste, bien plus... Euh, Spirituel et honnête ailleurs. Vous voyez, le fil conducteur, il est là. Et pourquoi je vous en parle Parce que c'est ce qui est préparé aujourd'hui. Hein pourquoi euh, nous vivons toujours dans les mêmes boucles Pourquoi euh, plein de récits parlent toujours de la même chose Tout est imagé, tout est présenté sous des citations, etc. Des, de jolies histoires que ce soit les trois livres saints, sont très importants les trois livres saints, parce que c'est codé dedans, comme là dans les couvertures de l'économiste. Pourquoi c'est important Parce que c'est codé. Effectivement, si c'était écrit noir sur blanc, un tel, un tel nous a fait ça, etc., méfiez-vous, ils vont recommencer, etc. Vous comprenez bien que euh, ces livres, euh, là ils ont été en plus, euh, pour la Bible en tout cas, ils ont, elle a été modifiée. Nous ne nous, nous serions jamais parvenu Vous comprenez euh, le, le, le pourquoi de, de la codification. Donc, il ne faut pas en faire une première lecture. Il ne faut pas euh, en rire. Euh... Donc, c'est très important. Et qu'est-ce qui revient dans les trois livres Qu'est-ce qui revient souvent même dans... Il n'y a pas que les trois livres saints, il y a des civilisations très puissantes qui ont existé, avec des cultures et des religions très importantes en Asie, je pense à l'Asie, euh, en Inde. La civilisation mongole a failli conquérir la planète entière, c'était une civilisation. Vous voyez le terme mongol, pareil, comment il a été utilisé euh, pour une utilisation péjorative. Et la civilisation mongole, c'était extraordinaire. Je vous invite d'ailleurs à regarder, je vous invite vivement à regarder la série Marco Polo sur Netflix. Ils en ont fait que deux saisons et après ils ont arrêté, pour soi-disant des raisons budgétaires. Vous comprenez pourquoi ils n'ont pas voulu laisser la série se poursuivre parce qu'on aurait pu remonter jusqu'à aujourd'hui. Elle est extraordinaire cette série et elle vous montre, elle vous montre les techniques d'infiltration des sociétés, des civilisations, et là pour le coup des pays. Mais Marco Polo c'est un exemple d'infiltration par les enfants et par l'adoption. Ce qui est aujourd'hui, vous voyez bien en France et dans plein de civilisations, un sujet fondamental. L'infiltration par l'adoption. Alors dans le temps il n'y avait pas euh, l'ASEU, le juge des enfants et tout ce qui existe aujourd'hui. Mais absolument rien n'a changé cette technique cette stratégie elle est euh, aujourd'hui criante il y avait aussi euh, l'échange de bébés alors euh, c'était fait effectivement différemment il y avait aussi euh, comment dire euh, la il y avait euh, il y avait l'argent ceux qui vous disent que l'argent a été inventé récemment c'est des menteurs. L'argent a toujours existé. Dans la Grèce antique, on, on, on utilisait des drachmes. Un drachme valait un montant. Euh, voilà, le mot que je cherchais, c'était contraception. Il y avait euh, aussi, on savait qu'il fallait se prémunir, à avoir de la contraception. Mais bon, c'était des techniques un peu, euh, on va dire, euh, sauvages. Euh, particulièrement sur les femmes elles, 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 étaient, elles avaient des infections, des maladies parce que les produits euh, qu'on utilisait qu'elles utilisaient les infectaient. il y avait effectivement un manque d'hygiène mais la prostitution, il n'y avait pas uniquement les femmes, il y avait la prostitution masculine et la prostitution féminine et même ça faisait partie euh, et accepté par les civilisations, vous allez voir le rapport avec aujourd'hui, c'est que ce n'était pas forcément vu euh, comme quelque chose de péjoratif, même les parents donnaient leur enfant en bas âge euh, donc chez euh, quelque part un, un adoptant riche qui allait euh, prendre en charge donc l'éducation de cet enfant. Qui allait lui payer des études, lui apprendre si c'est une femme la danse, etc. Si c'est une femme. Après, si, soit vous avez votre, une, de la chance, soit vous n'avez pas de chance. Et donc, il y avait une initiation à beaucoup de, 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 de culture, d'art, de, de sport. Le sport, il était important. Et, euh, et ça permettait justement aux esclaves, parfois, euh, de par euh, cet ascenseur social là ou pas parce que encore une fois ça dépendait euh, de de votre euh, on va dire de votre guide de votre de votre maître ou maîtresse euh, soit il vous mettait euh, ou elle vous mettait au trottoir soit il était euh, on va dire bienveillant ou bienveillante envers vous mais dans les deux cas dans les deux cas, sachez que c'était entendu qu'en échange il y avait une initiation euh, sexuelle. Euh, et là on parle euh, d'enfants, de 11 ans, de 12 ans, peut-être des fois moins. Donc c'était totalement. Euh, c'était pas interdit par aucune loi, c'était totalement courant. Donc quand vous voyez, vous voyez le fil conducteur, les civilisations changent, il y a beaucoup de choses qui restent. Aujourd'hui, dans notre civilisation, bien entendu, que ceci est formellement euh, interdit. Mais euh, vous voyez bien, vous le voyez avec la paix de criminalité, avec beaucoup de sujets. Vous voyez les stars, chanteurs, acteurs, euh, toutes les stars qui, un jour ou l'autre dans leur vie, se plaignent de leur enfance, etc. Vous voyez le cas le plus euh, détaillé, celui de Flavie Flamand, qui d'un coup se rappelle ce photographe finalement euh, quand il l'a photographié nu et que sa mère l'amenait carrément chez lui euh, voilà c'était c'était su et connu euh, donc voyez rien n'a changé sauf qu'aujourd'hui on nous fait vivre dans une illusion que tout ça c'est des conneries etc et que tout va bien et ceci euh, ces pratiques persistent particulièrement donc dans les sociétés secrètes des élites comme la franc-maçonnerie. Alors, ceci, euh, ceci étant dit, donc comme je vous ai dit, le problème avec les finances, c'est le même problème qu'aujourd'hui. Ça n'a jamais changé. C'est pour ça peut-être que il y a toujours deux possibilités. Donc, euh, changer de civilisation, oui, pourquoi pas. Mais ça dépend qui va être tout en haut, parce qu'à la fin... Il y a plusieurs strates et puis à la fin, il y a toujours une personne qui va être tout en haut. Est-ce qu'on est certain que cette personne, combien même ce sera l'intelligence artificielle, est-ce qu'on sera certain que cette personne utilisera ce super pouvoir d'avoir un contrôle absolu sur toutes les monnaies du monde parce que tout va devenir dématérialisé pour que ce soit utilisé dans le bien, donc pour euh, lutter contre tout ce qui est évasion fiscale, tout ce qui est blanchiment d'argent, drogue, euh, prostitution, etc. Ça, je, je vous assure, on, on en est très très loin. Hein. On n'a que des exemples dans l'histoire qui nous démontrent que personne n'est parfait. Euh, et donc pour euh, finir avec la prostitution, euh, dans la Grèce antique, L'équivalent, pour que vous voyez le décalage à chaque fois, c'est comme dans la France actuelle ou les autres pays. Un drachme valait un mouton. Et après, vous aviez des équivalences. Mais sur certains sujets qu'on peut appeler, entre guillemets, les, 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 certaines prestations, certains objets qu'on peut, qu peut dire euh, ont une valeur inestimable. On le dit toujours qu'on a certaines choses. N'a pas envie de vendre parce que ça a une valeur inestimable dans notre cœur, et ben c'est là où il y a toujours un problème depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais changé, c'est-à-dire que ces choses qu'on ne peut pas quantifier, par exemple, un acte de prostitution, il n'y a pas de valeur fixe. Ça dépend de la personne, ça dépend euh, si c'est de la prostitution, on va dire, de, de réseaux mafieux ou une prostitution euh, voulue, euh, souhaitée, ou si c'est une prostitution dans les palaces ou c'est une prostitution dans les favelas, euh, une prostitution de luxe ou euh, une, une prostitution, euh, on va dire, euh, derrière un proxénète. Vous voyez, c'est ça qui a toujours déstabilisé euh, tous les systèmes monétaires. Et ça ne s'arrête pas là. Je, je ne dis pas que c'est uniquement ça. C'est tout ce qu'on estime, encore une fois, qu'on n'arrive pas à donner une valeur sûre, tout ce qu'on estime comme étant inestimable. Par exemple, tout ce qui est art. Il y a beaucoup de problèmes avec l'art. Depuis toujours, ça a toujours été utilisé pour court-circuiter les systèmes monétaires, les systèmes de contrôle, les systèmes de fiscalité. Le problème est fondamental avec l'art. Vous avez, vous regardez comment euh, ce pseudo-peintre a siphonné un milliard d'euros à euh, l'héritière de Bettencourt donc de L'Oréal, avant qu'elle meure. Un milliard d'euros. Et il, lui a, il, lui a, il, il ne les a pas volés, il lui a juste vendu des tableaux qu'il a peints. Voilà, si elle a estimé euh, que à chaque fois qu'il faisait un gribouillis, ça valait euh, 15 millions d'euros, qui peut l'empêcher de faire ça Donc vous voyez, il y a plein de, plein de trous euh, dans le système, comme ces deux trous-là, euh, où quand bien même si on faisait euh, donc euh, alors si demain on passait la, au, au contrôle total sur toutes les sommes échangées quand on abandonne le liquide, il va de soi que toutes ces sommes-là seraient vues, sues et connues du système. Donc peut-être que c'est la solution ultime et absolue, parce que effectivement si on voit qu'il y a des sommes phénoménales qui sont euh, qui transitent pour des achats réguliers de toiles. Ou pour une femme qui est, ou un homme qui est déclaré prostitué parce qu'à l'avenir, effectivement, le système, encore une fois, depuis l'époque romaine, la Grèce antique, le système a toujours taxé la prostitution. Il n'y a pas de souci, hein. ça, c'est pas une nouveauté. Il laisse chacun se prostituer comme il le veut ou de manière forcée, mais le système prend toujours des impôts. Ça, euh, il n'a jamais varié là-dessus. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors, ceci étant dit, je ne sais pas si j'aurai du temps pour développer sur la couverture. Alors, donc les civilisations, encore une fois, ce n'est pas une invention. Elles ont toutes existé. Euh, ce qui a décrit euh, dans les livres saints et dans d'autres civilisations, ce qu'il y a de codé dans les tableaux, tout est absolument vrai, mais il faut arriver à le décoder. Euh, il y a les esclaves euh, noirs africains qui, lorsqu'ils travaillaient euh, dans les champs pour parler de choses que vous voyez dans les films que vous connaissez, qui chantaient, qui chantaient et leur chant, on a découvert récemment, hein, leur chant comportait des messages codés, ils chantaient entre eux toute la journée, soi-disant pour bien travailler, euh, pour euh, voilà pour se donner euh, une espèce de, du coup de courage, etc. Parce qu'ils avaient envie de chanter, on leur laissait juste le droit de, de chanter. Alors ils travaillaient tout en chantant, mais on, il s'est avéré que c'était des messages codés entre eux, et ça a permis justement d'en de, 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 sauver beaucoup, et, et certainement d'arriver à l'abolition de leur esclavage, euh, au travers du fait d'avoir réussi à aider justement quelques-uns quelques unes à euh, s'affranchir et à euh, parvenir dans, dans, dans les élites donc voilà c'est un combat perpétuel des esclaves de vouloir que quelques-uns d'entre eux euh, court circuite le, le, le système bloqué pour essayer peut-être un jour de libérer les autres donc euh, les civilisations n'ont pas disparu, ces civilisations n'ont pas perdu. Comme on vous le dit, encore une fois, euh, d'après moi, il est très fort probable que tous les prophètes sont la fabrication même de ces euh, civilisations avant euh, qu'elle n'ait décidé euh, de passer, donc de changer de. de changer de terrain on va dire euh, donc à chaque fois bon bah ben, il y a eu une grande histoire avec une grande apocalypse et hop on a tout effacé et hop on a tout remis à zéro c'est ce qui ressort de ces répétitions permanentes du fait que toutes les, les, les histoires euh, reviennent de la même manière euh, vous avez la nuit des temps euh, le faux prophète euh, le dégel l'antéchrist mais ça va être sous d'autres dénominations, mais c'est toujours les mêmes répétitions. Euh, pourquoi les civilisations, euh, ces civilisations-là, n'ont jamais disparu Parce que euh, il y a une logique implacable. Euh, lorsque euh, donc je vais prendre l'exemple d'appareils que vous connaissez, comme ça on va faire court. Vous euh, voyez, les ordinateurs, euh, au début lorsqu'on les a inventés, c'était d'énormes machines qui remplissaient des espaces gigantesques pour arriver à faire presque rien du tout. Ensuite, plus on avançait dans le temps et plus on réduisait... La taille des machines et ont augmenté leur, pui leur puissance de calcul de manière phénoménale. De la même chose, de la même manière, les téléphones au début, il y avait les câbles et puis on a avancé dans la technologie jusqu'à faire disparaître les câbles. Euh... Puis après, vous connaissez toutes les avancées des téléphones, je vais, je vais y revenir. Les télévisions euh, sans couleur. Ensuite la couleur, ensuite la télécommande sans fil, vous voyez toujours cette évolution. On, vous avez remarqué qu'on tend plutôt à diminuer et à effacer et à rendre invisible. On enlève les câbles, on rentre dans, toujours dans l'invisible. De la même manière que là c'est ce qu'on essaye de faire avec l'argent, on rentre dans l'invisible. Vous regardez pour revenir donc sur les téléphones voyez bien que les téléphones, là où il y avait plein de touches, les ordinateurs avaient plein de touches, aujourd'hui tout est concentré dans un seul et même appareil, un appareil, un smartphone, qui peut faire absolument tous les appareils, euh, télévision, téléphone, euh, internet, euh, agenda, euh, absolument beaucoup d'usages, et vous avez vu la tendance qui a été à chaque fois d'épurer, épurer, épurer, épurer euh, rétrécir, aplatir, épurer, rendre transparent, enlever les, but les boutons et petit à petit jusqu'on arrive à aujourd'hui avec des écrans où il n'y a aucun bouton dessus et on essaye de encore de plus en plus les rendre transparents. Et donc voilà, si vous suivez cette logique, je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous comprenez qu'une civilisation lorsqu'elle avance, lorsqu'elle atteint un, un, un degré de technologie très évolué, euh, elle va passer, euh, encore une fois, dans tout ce qui est invisible, tout ce qui est épuré, tout ce qui est transparent. Euh, alors ça, c'est du point de vue technologique, mais du point de vue spirituel, c'est la même chose. Une civilisation qui avance dans, dans le spirituel va avoir euh, la même euh, transition et va vouloir la même fin, va vouloir la, la, la vie éternelle, euh, l'immortalité, euh, etc. Eh et bien, comprenez que c'est ce qui s'est passé. Les civilisations, là je ne vais pas remonter à il y a 40 000 ans, mais aujourd'hui nous vivons toujours dans euh, ce qui a été décidé par les premiers. On va remonter à l'époque de la première euh, écriture euh, cunéiforme, euh, donc les, les, les dans les utilisés par beaucoup de peuples y compris les sumériens on parle donc là de euh, d'une région qui alors est ce que je l'ai préparé alors un instant les amis je vais vous remettre ça je vous demande à l'instant. Donc voilà, j'ai trouvé une représentation. Donc vous voyez bien que euh, bon, j'aurais voulu euh, une autre carte, mais que tout, euh, de, depuis toujours, tout a été concentré dans le même bassin. Le, cette partie du monde pour laquelle tout le monde euh, a de l'affection, ce Moyen-Orient, cette, cette Babylone. Cette Assyrie, cette Égypte, cette Jérusalem, cette Grèce, alors c'est ici cette Grèce, voilà euh, les euh, les civilisations donc n'ont pas changé, hein. c'est des superpositions et euh, ce qui nous laisse dire qu'effectivement euh, les civilisations N'ont que, par la suite, n'ont que euh, muté. C'est toujours les mêmes, les initiateurs, ceux qui tiennent les ficelles, ceux qui pilotent absolument euh, tout le monde, les, les, les élites, les, euh, que ce soit politiques, les, les stars, les, elles, elles, ont, elles pilotent tout le monde, ces, ces personnes, les toutes premières, qui ont commencé à réfléchir à comment créer une civilisation, comment. Créer une écriture, comment créer une culture, comment créer une religion, etc. etc. Donc, euh, l'infiltration euh, par l'adoption, les échanges de bébés à la naissance, cacher la réalité des. Euh, je vais dire, faire croire à un père qu est, que c'est lui le père alors que c'est quelqu'un d'autre, ça a toujours existé. Et, y compris parce qu'il fallait tout, toujours assurer la lignée, les rois euh, ou leurs femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, bah, ils se sont toujours débrouillés pour, euh, pour avoir un prince héritier hein, par plusieurs moyens détournés, des fois avec une, une GPA qui ne dit, qui dit pas son nom, des fois euh, avec euh, une PMA qui dit pas son nom. Euh, et euh, alors aujourd'hui, ça devient criant, mais ça n'a pas changé. Ça devient criant parce qu'il y a eu plein de scandales d'échanges de bébés dans les maternités ou de euh, voilà de placement d'enfants alors que les parents euh, aiment leurs enfants et n'ont aucun problème. Aujourd'hui il n'y a que ça, mais ça a toujours existé. C'est des techniques de noyautage des, de sociétés, de civilisations par l'intérieur pour les faire exploser, pour les faire dérailler pour amener, amener la civilisation tout droit vers son extinction, alors véritable ou pseudo, pour passer euh, à une autre civilisation. Donc ils ont préparé, vous verrez que le champ est déjà prêt, les villes sont déjà prêtes. C'est comme Neom, vous, en, vous entendez parler beaucoup de Neom, et on, on revient aux origines, on revient au Moyen-Orient, à cette zone où tout a commencé. Euh, mais pas que donc il y a des centres de gravité euh, que ce soit financière, politique, etc., qui sont à chaque fois déplacés. Euh, là je... Je crois que pour ce soir je vais arrêter là et je vais commencer une deuxième partie demain. Je suis désolé, je voulais vous faire un décodage sur la couverture 2017, mais je pense que ça va faire trop, trop, trop pour ce soir, et trop pour moi, et trop pour la longueur de la vidéo. Mais voilà, j'aimerais m'arrêter là et continuer demain parce que j'avais prévu de vous parler de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, les déplacements des, des capitales, les déplacements, euh, encore une fois, des centres d'influence. Ça n'a été que ça. Il faut juste regarder euh, l'histoire. Allez, je, je vais m'arrêter là. C'est certainement les 12 coups de midi qui m'ont pris beaucoup de temps je vais saluer les derniers et on fait une deuxième partie demain okay. euh... Philippe Johnson, bonsoir je ne vais pas attaquer euh, la lecture parce que sinon on n'a pas fini euh, donc Philippe Johnson, bonsoir euh, Magali Rainbow je ne sais pas si je t'ai vu bonsoir et bonne nuit ah ça a bugué un peu Emmanuel Morel, euh, il n'y avait plus de sang parce que je vous ai demandé de m'attendre. Bonsoir et bonne nuit. Euh, alors. Qui d'autre Romuald de euh, Henri, bah, il va se passer quoi La même chose. Ils vont nous, cro nous faire croire à l'apocalypse. Euh, une histoire du type euh, le joueur du jugement dernier, ou peut-être euh, pas, pas autant, mais ça va, ça va être euh, quelque chose de ce type là. Alors, Ginette, euh, bonsoir et bonne nuit. Euh, voilà, ça va être euh, un crash boursier, probablement pour 2019 si on suit la couverture noire qui n'est pas une blague, Claudia. Euh, bonsoir et bonne nuit donc tu as raison sur le crash prévu allez on va s'arrêter là euh, max euh, moondog bonsoir et bonne nuit coco euh, corinne bonsoir et bonne nuit et toutes les autres et tous les autres que je n'aurais pas salué tiens je vais regarder tiens on a du monde euh sur d'autres réseaux alors Igor Clanuk bonsoir cher ami comment tu vas bonsoir et bonne nuit euh, sur VK hein. Igor il est sur VK Chris Fly donc tu es sur youtube mon compte de secours euh, merci frérot bonsoir médite en travail remarquable pour tous merci merci frérot pour le soutien euh, alors sur les autres réseaux, est-ce que je vois quelqu'un d'autre euh, euh, euh. Après, on va s'arrêter. Francis sur VK, Francis CH, bonsoir et bonne nuit. Voilà, les amis, allez, ne faisons pas une vidéo encore plus longue. Je vous dis, je vous souhaite une bonne nuit. Alors peut-être que demain je ne ferai pas la deuxième partie, peut-être que demain je vous ferai juste un coucou, mais il y aura, je vous promets, il y aura une deuxième partie. Je n'ai pas réussi à présenter ce que je voulais faire, c'était finir le décodage de la couverture de 2017. Je vous dis à demain sur que ce soit juste pour faire un coucou ou pour finir la deuxième partie, et de toute façon il y aura une deuxième partie peut-être après-demain. Bonne nuit les amis